Et bienvenue sur le quatrième épisode de Medieval Dynasty. Alors aujourd'hui, on se les pèle, mais sérieusement, voilà, premier jour d'hiver, j'ai même pas pu rec parce que je courais partout. Donc j'avais fait, on avait recruté un petit goliot, là je lui avais mis la tâche de chercher plein d'éléments dans la forêt, et mine de rien, vous allez voir, il en a trouvé beaucoup, donc ça marche super bien, ça marche sur les champignons, les baies et tout ça, en fonction de la saison. Ça, en même pas une demi-journée, il nous a ramassé tout ça, donc j'ai bien l'impression que ça peut être super rentable quand tu auras les baies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça et je vais essayer de trouver un NPJ qui me donne de et de la fourrure, mais vraiment. Parce que là, je suis avec la torche, c'est pas parce qu'il fait pas jour, c'est parce que si je l'enlève, j'ai la température qui descend. Alors je me suis fait ça à l'arrache, vite fait, c'est l'atelier de couture, là, pour pouvoir me faire au moins les gants. Voilà, et du coup, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que si j'enlève la torche, je crève. Donc j'ai fait pas mal de petites torches. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer, j'ai fait toutes les villes, honnêtement. Voilà, j'ai fait Borovo, Gostivia, Baranica, Baranica. Alors, Branica, elle, il y a juste quelqu'un qui peut me donner un chapeau. Alors, je ne sais pas si ça va faire la différence. Honnêtement, j'aimerais bien plutôt aller voir sur ces nouvelles villes. Parce que bon, il y a tout ça à faire, ce serait pas mal d'y aller, un de ces quatre. Mais honnêtement, là, mon urgence, voilà, c'est de me tenir chaud. Donc n'importe quoi, des bottes en fourrure, n'importe quoi. J'essaie de faire quelques quêtes en attendant. Ça fait 7 ou 8 fois que je recommence le jeu parce que je meurs. Je meurs de froid, littéralement. Donc voilà, ça c'est ma première erreur, c'est de ne pas avoir prévu que l'hiver s'appelait quand même sa mère. Donc ne pas refaire cette erreur, hein, les gars. Donc ne pas refaire cette erreur, hein, les amis. Hein. Franchement, faites attention. Je vais prendre quelques baies, oui c'est ça que je voulais faire. Prendre quelques baies pour essayer de faire un peu de thunes, parce que du coup j'ai acheté des plans. Alors j'ai acheté au niveau technologie, je me suis dit ça va être vachement bien. Alors ça je l'ai acheté, mais je le trouve pas dans les crafts. Donc si vous savez dites moi, mais impossible de trouver. Donc j'aimerais bien soit me débloquer ça, éventuellement essayer de les faire, soit aller en acheter carrément, parce que là honnêtement j'ai même plus envie de batailler. Hop, on prend tout, je suis trop lourd. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. La moitié. Je suis encore trop lourd. Allez, laisse-moi au moins, voilà, quand même un peu de thunes. Voilà, 237. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer, hein, je dis bien. Donc, je trace avant qu'il fasse nuit en plus. Enfin, tout va bien. C'est la guerre. C'est la guerre. Bon, nous arrivons à un nouveau village qui, lui, n'a même pas de nom. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qui se fait ici. Déjà, apparemment, il y aurait deux personnes à recruter. Il y a un marchand. Ouf. Maintenant, est-ce que ça va être le marchand qui va m'intéresser? J'en sais fichtre rien. Le recrutement, je suis désolé, je reviendrai, hein, mais c'est vraiment pas mon... C'est vraiment pas ma priorité pour l'instant. Et oh, te barre pas quand je te parle. Putain, rien de rien de rien qui m'intéresse. Bon, je m'en fiche, j'ai pas le temps, je me pèle. Rolnica, allez, Rolnica. Direction Rolnica. Bon, là ça a l'air d'être un petit village de pêcheurs. Vraiment sympa, hein, en tout cas le skin. C'est... Waouh. Très très joli ce village. Alors, un marchand. Hop, ici. Dites-moi que vous me faites ce plaisir-là. Je suppose que tu vas pas vouloir vendre. Ok, et si j'éteins la torche? Et que je me cale près du feu, est-ce que je vais mourir? Non. Bon, mais... Vous savez quoi les gars, je vais squatter votre baraque. Je vais rester me raccroter de vous. C'est de combien là-dedans?
Encore un là. Pas me filer ton chapeau, toi? Non, mais sérieux, je m'appelle les miches, quoi. Ah, je fais juste un petit tour du village pour regarder. Ah non, j'aime beaucoup. Oh, ouais. C'est quoi, c'est la taverne, ça? C'est grand, ça? Oh, c'est la taverne. Trop bien. Ah non, mais franchement, super joli. Ah ouais. Plus elle est éclairée apparemment avec les lustres et tout. Normalement je l'ai débloqué, hein, si je dis pas de bêtises. En technologie j'ai encore débloqué un autre truc. Alors simple house, ok, ça maintenant je sais les faire. Pourquoi j'en sais rien, j'étais en train de courir pour aller de village en village et puis d'un seul coup ça me l'a débloqué. Bon, why not. Voilà, barn, c'est la fois que je la fasse. Mais, si je survis à l'hiver, taverne, voilà. For cooking. Workstation or cooking as well to storage. Ok, bon ben. Taverne 2, donc ça doit être. Ouais, voilà, il y a des évolutions énormes. Par contre, ouais, c'est. J'aurais pas eu besoin de courir partout si jamais j'avais réussi à faire ça. Bon, pour l'instant, de toute façon, je tiens au niveau de l'hiver. Il me reste un peu de plantain ou pas? Parce que tout à l'heure, j'ai croisé, forcément, j'ai croisé des loups. Ça a été. J'ai serré un peu les fesses, mais c'est passé. Ils ne m'ont pas vu, donc ça a été. Bon, ben je mange, on va passer. Est-ce que je peux sleep un peu? Non. Faudrait que j'en fasse un feu de camp, c'est ça? Et les marchands, te barre pas, toi! Ouais, qu'est-ce que t'as à vendre? Fishing spear. Ah la vache, ça va être que du poisson. Village de pêcheurs, ok. Et c'est bien ça, ouais. C'est toi? Non. Casse-toi. Ça va être que de la bouffe. Ah là 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 là. Eh ben, ok. Bye. Alors maintenant, ben, il me reste plus que. Là, je suis là. Il me reste plus que là-bas. Je suppose que je peux pas traverser les montagnes, hein, sans me faire défoncer. Moi j'aurais tout essayé les amis. Ok. Et eh bien il n'y a plus qu'à aller à Ornica. Donc plein est. C'est bien ça. Hein. Bon, moi je suis pas trop mauvais en points cardinaux. Ouais. Bon ben on va tester. Et si j'y arrive pas, je suis condamné à rester 3 jours avec ma torche qui va bientôt péter. Aïe 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 aïe. Bon, alors là, catastrophe, hein. J'ai plus de torches, je sais pas pourquoi. Là, faut vraiment que ce soit un marchand qui vend des trucs chauds, parce que sinon, voilà, fin du game. Alors, toi, show me where. Pickaxe, ouais, il y a des super trucs, mais je m'en bats, non, pas ça, ça me réchauffe pas, ça. Elle, ça va être à manger, je suppose. Oui, ok. Ok, c'est joli, c'est bien. Mais c'est pas ça. Dernière chance. Où es-tu? Où es-tu? T'es dedans, t'es dedans. Où es-tu? Et où cette porte? Oh oui, oh, toi tu fais des vêtements. Vas-y, vas-y, vas-y. Tunique, alors c'est quoi? Plus 15 cold protection. Ok. J'ai pas assez. Stone axe. Ah, oh, mais j'ai rien. Bah non, les gants, je vais pas lui vendre. Hein, sinon, je vais avoir un peu froid. Non, j'ai besoin de manger. Mythe. Oh, il m'en manque 33. Bon, ça, Saint John's. Je m'en fiche un peu. Non, non, t'es sérieux? Classe protection. Non, non, non. C'est vraiment la tête hein, qu'il me faut. Hein. Ah ouais, celle-là, avec ça, normalement, je me mets bien. Zut. Ok. Bouge pas. Je vais. Qu'est-ce que je peux ramasser que pour lui vendre? Qu'est-ce qu'elle veut? Même les outils, ça vend rien. Bon. On va quand même essayer de faire des haches.
Allez, mais tape dedans, non. Oh, pas le moment, toi. C'est pas le moment. Si. Est-ce que j'ai des cailloux? Non, j'ai même pas de cailloux. J'ai même pas assez de sticks. Bon, allez, je vais manger, hein, tant pis. Hein, et je vais faire tout ça. Allez. Ah, alors, vite, 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 vite. Vas-y, œuf. Oui, je l'achète. Allez, accepter. F, équipe. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? J'ai même plus petite torche, non? J'ai plus rien. Allez, remonte. Est-ce que ça va remonter? Ça a l'air de remonter. La température remonte. La température remonte. La température remonte. La température remonte. Est-ce qu'elle va disparaître cette jauge? Hein? Vas-y, dis-moi que ça va disparaître. Allez! Non, allez, oh, juste pour ça, non, t'es sérieux? Non, 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 bah, c'était ma dernière chance. Oh. L'aventure va pas s'arrêter comme ça, mourir en plein milieu d'un village, comme une grosse... Merde. Bon. Alors, résumons. J'ai fait tout ce que je pouvais en craft pour me chauffer. Ça marche pas. J'ai fait le tour des villages, j'ai trouvé un truc, mais ça marche pas. Et je crois bien que c'est. Non, bah non, non, non. Bon. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Bon, du coup, j'ai rechargé mon ancienne partie, j'abandonne pas. J'ai fait des torches. Voilà, j'en ai fait 10. On va voir si ça va suffire. Maintenant, équipe là, voilà, c'est bien. Hop. On va faire en sorte de ne pas mourir de froid déjà. Donc là, vu l'état de la journée, je vais aller directement en bas, Ornica. J'ai pris un peu de quoi faire de la thune. Je vais aller acheter ce qu'il faut. Après, je reviendrai ici. Je ferai le truc de couture. En attendant, je vous expliquerai. Mais normalement, j'ai mon mate là qui est en train de bosser dans le bois. Il est à la récolte. Je vous montrerai après. Donc, du coup, on trace, on trace, on trace. Et on se rejoint dès qu'on est à Ornica avec ce qu'il faut pour se réchauffer. Bon, nous voici arrivés de nouveau à Ornica et revoir Carolina. Toi, je t'aime bien, toi, tu vois. Hop, allez, acheter. Ouais. Yes, ok. Du coup, bah écoute, toi, tu vas te ramasser toutes les baies. Hein. Bon, j'avais que des torches et puis de quoi vendre un petit peu. Donc, maintenant, on s'équipe de ça. Et puis rendez-vous du coup au village. Ah bah là voilà, là j'ai bien chaud là. Alors du coup, si j'enlève ma torche, c'est ici normalement que ça se voit. Pour l'instant on a bon. Donc il n'y a plus qu'à rentrer au village, refaire la maison où on fait de la couture, l'atelier de couture, et du coup refaire des gants quand même. Toi t'es quoi? T'es bon en quoi? Pêche. Ouais, pêche et forge, ok. Enfin, craft en général, ça marche. Bon, bah, a priori, pour l'instant, j'ai pas froid, donc ça va. Ça va, ça va. Bon, on s'occupera vraiment de recruter des NPJ plus loin, plus tard. Allez, maison. Bon, j'arrive. Nous voici de retour au village. Ah, bon, je me suis fait attaquer par deux loups. Ça va, c'est pas trop parti en sucette. Bon, j'ai vu, j'ai toujours le collègue là qui travaille dans le bois là-bas. Du coup, ben, il y a nos pièges. On en profite. Oh, ben, il est pété, d'accord. Activate. Va falloir le refaire. Bon, c'est pas la priorité. Je veux juste voir. Alors, j'avais 3 rondins de bois. Je crois que j'avais laissé dans le coffre. Je vais voir s'il en a récolté d'autres. Voir comment ça se passe, s'il faut aller chercher là-bas. Non, 16. Ah ouais. Ouh, mais ça marche bien ça.
Bon, il m'en faut 8 pour poser, donc du coup 4. Top, top, 3, hop, 4. Déjà, voilà. Avec ça, normalement, je vais déjà être trop lourd. Qu'est-ce qui pèse si lourd sur moi? Ah, toutes les torches? Ouais, déjà. Du coup, je vais poser toutes les torches. Là, je suis pas loin de la maison, donc au pire, je peux avoir un petit peu froid, c'est pas trop grave. Hop, déjà, mieux? Ouais, c'est mieux. Alors, on va la remettre là où je l'avais fait tout à l'heure. Je trouvais que c'était sympa. Comme je vous avais dit, là, ce serait petit quartier, on va dire industriel. Alors, building, non, pas craft. Build, hop, ici. Ah, par contre, l'entrée, ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est que normalement, j'ai l'impression que les entrées sont sur soi, enfin, sont devant soi. Et rotate, peut pas rotationner. Du coup, l'entrée, normalement, elle doit être sur la droite. J'essaie de la faire comme ça. Voilà. Pas trop droit, pas trop carré non plus le village. J'aime bien quand c'est un peu. Voilà. Ça va être compliqué, mais ouais. Hop, voilà. Ouais, voilà, ça c'est cool. Petite entrée par là, toc toc toc. Ouais. Même mieux que tout à l'heure. Il va me falloir beaucoup de paille pour le toit. Et du coup, ben, j'ai même plus besoin de couper les arbres, a priori. Ça c'est cool. Ah, ben on se retrouve dès que la maison est finie et au moment de prendre les crafts, je verrai si... enfin la maison, je m'entends. Je verrai s'il fait nuit ou pas, si vous y voyez quelque chose. Donc pour l'instant quand même, c'est assez épisodique le fait que j'ai trop froid, que je sois obligé d'allumer la torche. Donc déjà, c'est pas mal. Voilà. Le petit bonnet qu'on a acheté, même s'il valait 400 balles, au moins, bon, c'est pas mal. Ça valait le coup pour l'investissement. Ok. Ça c'est fait. Rien de la finir. Alors maintenant on avait dit on apprend au niveau technologie. Le wood, non, c'est pas ça, ça va être là. Hein. Voilà. Est-ce qu'il m'a ça cette une? 400 et quelques. Ah. Les gants, je sais que je peux les faire. Donc ça, j'achète. Ça, je vais l'acheter. Et c'était lui que j'aurais bien aimé. Fur chose normalement c'est les bottes en fourrure hein, si je dis pas de bêtises donc oui on va chercher ce qu'il faut pour faire déjà les gants on va voir si ça suffit si ça suffit pas j'irai acheter le plan pour les pompes alors laser on prend tout on va pas s'embêter hein. Tidali tati tati vient là. Et les gants. Ok. On craft. Waouh. Vraiment, tout est joli dans le jeu au niveau animation. Hein. Tout est bien pensé et tout. J'aime beaucoup quand même. Hein. Le travail des devs, franchement, bien. Alors, là on les porte. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de voir notre résistance au froid et tout ça? Non. Hein. C'est juste cette jauge quoi. Cette jauge-là qui me dit ok, tu te pèles pas le cul pour l'instant. On va en profiter, on va aller boire. Et du coup, là c'est la nuit. Donc ce que j'aimerais bien faire, peut-être aller chasser, qu'on finisse ce truc. Demain, on va le laisser lui faire ce qu'il veut au niveau du bois. Voilà, on va le laisser ramasser. De toute façon, je pense tout l'hiver, tous les hivers, je vais mettre. Du monde à ramasser le bois parce que mine de rien déjà c'est rentable et en plus ça va super vite quoi et ça m'évite moi d'aller faire le con il me faut du rock pour faire le piège je crois on prend deux on va refaire le piège Azosio traps ouais c'était ça il fallait oh ah génial. Génial, génial. C'est vrai que du coup, je l'avais plus. Bien. Une simple house. Nickel. Bon,
En même temps, je vais pas refaire 25 maisons puisque j'ai personne qui va venir. Donc ça c'est nul. On va reposer tout ça. Et on va aller chasser le petit renard pour finir la quête. Alors je vais le faire de nuit. Je voulais juste vous laisser ça. En attendant. Ouais, c'est franchement joli. Commence à avoir de la gueule quand même ce village. Moi j'aime bien. Après c'est le village du pêche des pêcheurs là. C'est. Lui j'ai vraiment trouvé super bien foutu. Très joli. Petite bourgade là. Alors vu qu'on sait faire la taverne et tout ça, je regarderai vraiment ce que ça prend au niveau niveau conso. Mais prochaine étape, ça va être niveau build, ça va être le barn. Donc a priori c'est la grange. Et lui il rentre de son taf. Impeccable. C'est bien mec. Bien bossé. Et si j'étais pas, est-ce que je peux encore augmenter ma réputation avec lui? Ouais, d'accord. Apparemment. Apparemment, ouais, on peut continuer. Bon, on va le. Ouais, 20 minutes. On peut continuer à avoir des. Est-ce que ça change au niveau management? Non, il est toujours à 50%. Ok, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, 175 de taxes qui va me tomber sur le crâne. Bon, normalement, j'ai d'autres choses à vendre, hein, donc ça devrait le faire. Allez, on va tuer du petit renard. Pas un seul suffirait. C'est quoi qui court là-bas? Une oubliquette, hein? Alors que lui, par contre, ouais, il défonce la forêt, ce con-là. A priori. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai fait, mais je sais pas si c'est moi ou si c'est lui. Alors ça doit être lui, ça. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir entamé autant la forêt dans le secteur. Faudrait voir ça. Parce que pareil, il va falloir faire plusieurs maisons de récolte de bois là, pour éviter justement de trop casser la forêt. Alors je sais pas si les arbres poussent. Je pense que oui quand même, ils ont dû le prévoir, ça doit être en plusieurs années peut-être, mais c'est sincère. Bon, bah ça y est, je viens de tuer, et puis en fait, bah, il y en a plein, plein. Oh, il va se barrer. Ouais. Il y en a plein. Et maintenant, rigoler, mais il faut construire le barn et faire un champ. Donc c'est vrai que même là, en gros, j'avais pris un peu d'avance, quoi. On pense si on se baisse, est-ce qu'on est plus puissant? Bon, hein, pas déconner. Par contre, bah, je perds des lances à chaque fois. Et un paquet. Hein. Ah là là. Donc, bah, ouais, c'est bien ça. Va falloir faire une barre la prochaine fois. Par contre, ils disent de placer un champ. Et ça c'est des enfoirés. Parce que bon, je vais pas être méchant, mais. Ouais, mais il y a des renards partout. Mais ça pourrait être rétroactif quand même. Toujours aussi bon, je te chasse. Ça pourrait être rétroactif parce que le champ il y est déjà quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même cassé un peu de bois pour commencer à préparer le barn. Et j'ai froid. Ça y est, j'ai froid. Oui. J'avais pas fait gaffe, mais je commence à avoir froid. Merde. On va se laisser remonter la température. S'il faut, je rentre dans une maison, j'allume le feu. Est-ce que là ça suffirait avec une torche pour remonter, survivre? Putain, en hiver c'est vraiment le combat de tous les jours. Hein. Enfin de chaque instant. Ok, avec une torche ça passe. Elle est presque pétée donc je vais en chercher d'autres. Alors je me suis vidé de tous mes outils quasiment. Là j'ai juste gardé les torches, hein, si je dis pas de conneries. Voilà. J'ai pris tout ce que j'avais à vendre et encore j'en ai laissé. J'ai laissé tous les champignons blancs et quelques autres je crois. Parce que je suis trop lourd. Vu l'heure et puis que de toute façon il faut que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Donc il faut que j'aille au village. Et tant que il fait pas jour, ça sert à rien. Donc je vais aller dormir. Et bonjour. Ok. Donc j'ai Siegfried qui crèche. Je t'ai fait une baraque, mec, et tu crèches chez moi.
Non mais t'es... Mais... Alors, non, bon, allez, on va oublier cette histoire, on va dormir, c'est l'hiver, alors on est pressé. Hein? Oui, il y a... Heureusement qu'il t'a pas pris le grand lit, quoi. J'oserais même plus rentrer dans la maison. Ouais, non, non, vas-y, vas-y, passe, toi. Voilà. Va jouer. Hein? Va faire ton boulot, moi je vais vendre. Allez. Bon, ben, je reviens. Bon, mais on se retrouve au village et c'est vraiment un temps d'hiver. Un brouillard, on n'y voit rien. C'est rien comme ça là, déjà, en regardant le... J'ai froid. Bah. T'es marchande, toi, oui. Ida, oui. Salut, allô. Vas-y, donne-moi un peu de thune. Bon, y a pas à chier, c'est pas les champignons qui payent le plus, hein, mais c'est vraiment les baies. Alors on se retrouve devant la table de couture. Ça, ce serait bien. Faut des linen tree. Liseur, bon, liseur, ça va, c'est facile. Les têtes, bon, pour l'instant, c'est ses bonnets de nuit, non? Ah. Wolf, ah oui, d'accord, donc ça, c'est la laine. Wood, fur, wood. C'est ce que j'ai acheté, je crois, en plus. Ok, non, non. Les tuniques, pff, là pour dire laquelle qui sera bien. De toute façon, il me faut de la wool fabrique, donc là on laisse tomber. Linen fabrique, wool fabrique, ok. Donc je crois qu'il n'y a que les chaussures qu'on peut faire. Voilà, leather, shoes, fur shoes. Fur shoes, c'est. Ah, fur boots, et là c'est fur shoes, ok. Bon, a priori, ça va être celle-là. Il me faut que du leather. Noble shoes, liseur, liseur, liseur. Oh, n'importe. Ok. Bon, du coup, technologie. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors, tout ce qui est boots, par contre, on pourra prendre. Mais fur, normalement, ouais, je vous dis, ça, c'est les chaussures fourrées. Allez, on apprend. Ok. Il me reste 535 de thunes. Ça devrait le faire. Je vais chercher du coup le liseur. Surtout qu'il me reste des trucs à vendre encore justement. C'est pour ça que j'étais revenu. D'ailleurs ça. Hop, on va le prendre. Si je suis pas trop lourd. Non, ça va. Fizer, je sais pas encore. Normalement, il n'y a pas de fringues qui se font avec des plumes. Je pense pas. Moi, que ce soit carnaval, mais sinon je pense pas. Donc du coup. Ici, on a dit les chaussures et c'est celle-là. Not enough resources. Bon. On va redéposer ça. Je vais me poser tout le reste. Je vais aller à l'autre village. Enfin, je vais prendre la bouffe de suite tant que j'y pense. Après, je suis déjà un peu lourd, mais bon, on verra. Voilà. Hop. 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 Et hop, hop, hop. Impeccable. Je suis pas trop lourd, je suis limite. Donc au passage, je vais reprendre des lances pour le coup. Alors, quand t'as pas de tête, hein, t'as des jambes. Accepte. J'en ai que deux. Je pense que du coup, mon log. Tech. Je peux en faire combien? 3. Non, je vais en faire que 2. Parce qu'après, je suis lourd. Hein. Donc, je vais me faire ça. Deux lances en plus. Je vais aller au village, discuter, hop, et puis voir si je peux commencer à re-augmenter un peu ma réputation parce que c'est pas génial. Oh, Léopoldia, il lui faut que 70. J'avais pas fait gaffe. Et toi? 70. C'est quoi ce délire? Ici, ce serait que 70, les autres, c'est. Oh, ok. Ok, ça c'est bien. Donc du coup, peut-être qu'avant la fin de l'hiver, ils seront recrutables. Bon, ça y est, je reviens au village, j'ai dû tuer 3 ou 4 biches là. Bon, bien, en plus il y a ça. Ah, forcément il a pété. Est-ce que toi tu vas péter aussi? Non, bien. J'y arriverai jamais. Hein. Crap, trap, tap, ouais. Marche super bien ici, hein, ce petit truc. Hein. Faudrait qu'on en ait plusieurs. Ce serait vachement bien. Alors normalement le liseur, j'ai dû le laisser là-bas. Ouais.
Fizer, je vais. Oh, j'ai oublié. Je viens de voir que j'ai oublié de vendre. À l'origine, j'étais parti pour ça. Bon. La journée prochaine. De toute façon, là, faut que j'y retourne parce que là, j'ai vu les 3 NPJ, là, sont à 70% de répute. Enfin, d'amitié avec moi. Du coup, ça, c'est intéressant parce que là, les autres sont à 100%. Enfin, sont à 100. Là, c'est que 60. Et dis-moi que c'est 30 pour les faire les chaussures, pas 40. Ouais. Allez. Et là, j'espère que ça va aller, hein, parce que là, rien que d'aller chasser dans le froid, là, c'était pas terrible, hein. Ok. Hop, va-t'en. Alors. Plus 20. Ah ouais, non, non, mais là, ça va carrément suffire. Oh. Ben, j'espère. Ah, enfin, je vais pouvoir arrêter de me balader avec 800 torches. Et surtout, voilà. C'est vrai, je m'y ferai jamais. Je m'y ferai jamais. Faut que je trouve comment on t'assigne, toi, dans une maison, hein, pour te dire de dégager d'ici. C'est pas chez toi, ici. Chez moi. Encore, ça va, pour l'instant, je suis célibataire, je veux bien un coloc, mais... Pas déconner, non? Allez, je vais faire le vide. Non, bon, je veux dormir directement. Hein. De toute façon, là, vu que c'est l'hiver, j'ai rien à faire pour l'instant. On dort. On va aller manger. Allez, va travailler toi, feignasse. On a ramené combien d'ailleurs? Un log. Ça, c'est bien. D'ailleurs, c'en est où des plats? Est-ce qu'ils ont pourri ou pas? 100%, 100%, 100%. Impeccable. Un petit 35. Allez, je vais en prendre un. Et deux comme ça. Voilà. Après, j'en ai fait vraiment pas mal. C'est vrai que les premières cultures, elles m'ont quand même mis bien, bien, bien comme il faut pour la bouffe, quoi. Voilà. Et voilà. 95. Je vais garder mon plantain avec moi, on sait jamais. Je garde toujours une torche, on sait jamais. Mais bon, là, je pense que les bottes fourrées plus le reste. Là, je suis bien. Ok, ben on va quand même essayer d'aller finir de recruter. Ce qui m'intrigue, c'est que dans ce village là-bas, j'ai peu recruté à 70 et que dans l'autre, non. Alors ça, c'est... Ça m'intrigue. Donc je vais retourner quand même au premier village et puis après j'irai peut-être essayer de finir ce à 70. Ce serait bien si on pouvait finir l'année avec un autre compagnon ou compagnonne, ce serait encore mieux. Que je puisse essayer de voir si je peux la draguer, me marier et tout ça. Parce que franchement, la première, je sais plus où elle est. La première que j'ai draguée. Et puis elle me manque pas. Mais vraiment pas, vu la gueule. Non. Bon, ben nous sommes revenus à notre village, Bredouille. J'ai fait le tour de 4 ou 5 villages aux alentours. Alors je me rapproche, hein. Je pense que bah, du coup, l'année prochaine, donc c'est-à-dire dans quelques minutes, quelques heures, on devrait pouvoir recruter notre prochain, voire nos prochains amis, larbins, esclaves, pécores, je sais pas comment les nommer ceux-là. En tout cas, donc j'ai quand même acheté du coup voilà, du manure. C'est pour quand même fertiliser le champ. Manure, manure, c'est ça? Ouais. Alors comment ça marche? Ah, tu sèmes comme les graines. Ok. Et après, faut le retourner. Parce que j'ai vu qu'on est bientôt quand même au printemps et que j'ai quand même besoin de carottes. Donc je vais pas avoir trop le choix de planter un peu de ça. Il en reste combien? 14. Faire une dizaine. Ouais, j'en avais acheté 20. Ouais, on va en faire une dizaine. Est-ce que j'ai pris la houe avec moi? Ouais. Elle va péter forcément. Oh, sympa, ok. Et après, ben, on va planter des carottes. On aura une dizaine de carottes, ça devrait aller. Hein, parce qu'on fait des bons petits plats. Et mine de rien, j'ai regardé, à part les choux, les oignons. S'il faudrait que j'achète des betteraves, apparemment, pour faire de la soupe aussi. Mais sinon, la carotte et l'oignon, c'est quand même vachement petit. Donc, du coup.
C'est droite, j'y arriverai jamais. Carotte. Ok. Allez, on en met partout. Allez, Monsanto. Oh la vache. Ah ça va, il pleure pas ses graines lui. Hein. Vache. Une dizaine devrait suffire. Ça va assurer une petite production au moins. Parce que mine de rien, c'est le genre de truc. Faut toujours l'avoir en fil rouge derrière, hein, je pense. Et une fois que ce sera récolté, je sais pas trop comment c'est géré, mais de toute façon, voilà. Là, quand on va recruter quelqu'un, première chose que je fais un barn. Une fois que c'est fait, donc barn, ça doit être grange. Hein. Une fois que c'est fait, je l'assigne au champ, je pense. Pendant que l'autre va retourner récolter. Enfin, idéalement, il faudrait que j'en ai deux. Un qui continue à faire le bois. Un qui ramasse ou qui va chasser dans la forêt. Et un qui s'occupe du champ. Parce que là, honnêtement, le champ, je vais le faire grandir. Et au printemps, apparemment, on peut planter vachement de choses. Donc, du coup, ça va être intéressant de le faire. Mais, pour ça, il faut arriver à recruter. Et ça, c'est pas gagné. Mais nous verrons ça dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. Merci d'avoir suivi. Bye.